Quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ici? Y a quelqu'un? Carton rouge TV, mais qu'est-ce qui se passe, les amis? J'ai pas fait de vidéo depuis combien de temps? Depuis 6 mois? Vous êtes peut-être dit, ça y est, Carton rouge TV a fermé, plus de vidéos, Flavien a disparu, terminé, finito, on monte en Ligue 1 et Carton rouge TV disparaît. Mais non, les amis, j'ai l'impression que j'ai pas fait de vidéo depuis 6 mois, alors que ça doit faire 15 jours maintenant, peut-être 3 semaines, je sais plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu le contre-coup de la montée en Ligue 1. Franchement, une joie profonde qu'il a fallu digérer quand même. Et puis derrière, y a plein d'autres trucs à faire à côté, ça vous est peut-être pas échappé. Et j'ai pas eu le temps de faire de nouvelles vidéos, ou j'ai pas eu l'objet de faire de nouvelles vidéos. Et pourtant, je vous avais promis une vidéo spécifique, en l'occurrence le best-of du live de la montée en Ligue 1, le match Metz-Saint-Etienne qu'on avait commenté avec les copains de Carton Rouge TV au studio. Et ce best-of, je l'ai fait. Alors, ça demande beaucoup de boulot. Vous allez avoir à peu près 18 minutes de best-of, les meilleurs moments, nos réactions sur les fautes d'arbitrage, sur les buts messins, les buts stéphanois, bien sûr, le but de Wadji et le coup de sifflet final. Ça fait 18 minutes, donc ça m'a demandé beaucoup de boulot en fait, parce que il a fallu que je reprenne les 3 heures de live, quasiment minute par minute, pour voir quels étaient les meilleurs moments. Donc déjà, ce boulot-là, ça mérite le like. Le petit like qui fait plaisir, les amis. Le petit like qui fait du bien. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous êtes pour la première fois sur Carton Rouge TV. Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir ce petit abonnement supplémentaire, les amis. Et voilà. Et donc alors après, sur l'actu de l'AS Saint-Etienne, j'ai pas fait de vidéo, mais on va reprendre petit à petit le rythme des vidéos. C'est vrai que du côté du mercato des Verts, les transferts, les arrivées, c'est pas fou en ce moment. On peut pas se dire qu'il se passe des choses incroyables. On a eu 2 départs, Dylan Chambaud et Maxence Rivera. Chambaud qui va jouer en MLS, je suis content pour lui qu'il puisse poursuivre sa carrière dans de bonnes conditions. Maxence Rivera qui jouera en Ligue 2 l'année prochaine, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu, Maxence Rivera. Et du côté des arrivées, il y a des rumeurs comme d'habitude, tel ou tel joueur. Pour l'instant, on est plutôt sur des joueurs profil Ligue 2 ou qui viennent de monter en Ligue 1. Donc voilà, on attend quand même de voir des joueurs plus costauds renforcer l'effectif. Il reste du temps, hein, c'est jusqu'à fin août. Donc on a encore le temps d'avoir évidemment ce mercato s'agiter du côté de l'AS Saint-Etienne. Vous avez vu que le calendrier est sorti, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez vu aussi qu'il y a encore eu des sanctions après les craquages, avec des amendes, des huis clos partiels. Ça, c'est franchement hyper pénible. Voilà, mais tout ça, j'aurai l'occasion d'aborder le sujet de l'actu de l'AS Saint-Etienne au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la reprise de l'entraînement pour les joueurs qui approchent à grands pas. Et puis évidemment, au fur et à mesure, des infos que nous aurons. C'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est le best-of. Ce moment historique, la remontée en Ligue 1, ce but de Wadji, on s'en souviendra encore dans 10, 15, 20 ans. Il y a quelques buts comme ça dont on se souvient. Le but de Bridono, parce qu'en plus il était magnifique. Le but de Brandao, le but de Berich, le but de Boudbouz qui nous envoie en finale de Coupe de France. On a comme ça une série de buts qui restent dans nos esprits. Celui de Wadji restera dans notre mémoire collective, sans oublier le but de Petro, parce que sans le but de Léo Petro qui nous permet de revenir à 2-1, on aurait peut-être complètement craqué. Donc voilà, on a vécu une soirée folle, c'était formidable, donc je vous propose de revivre ces meilleurs moments. J'ai dit beaucoup de gros mots pendant le live, il faut reconnaître les choses. Oui, j'ai dit beaucoup de gros mots, je ne suis pas le seul, mais en même temps, comment voulez-vous qu'on vive un match aussi irrespirable, aussi intense, avec un scénario absolument incroyable, sans vivre ça avec passion? C'est pas possible. Allez, trêve de baratin, j'ai assez parlé les amis, c'est parti pour ces 18 minutes de best-of Metz-Saint-Etienne. Le coup d'envoi vient d'être donné ou va être donné dans quelques instants. C'est parti les amis. Sans rien, pas de son. Attendez Thomas, faut tester. 1-2, 1-2, 1-2. Oh, nous sommes en direct. Ah si, ça y est, si. Le son est arrivé, mais... passe-moi ça, on va voir s'ils entendent. Passe-moi ça. Ah, si, allez. Mais non, voilà, mais monsieur, je ne vous permets pas, monsieur. Monsieur, je ne vous permets pas. C'est un match capital, monsieur. Capital, avec un K. C'est tout. Bonsoir à tous. Salut les amis. Oh là là, putain, on est parti sur des bonnes bases, les amis. On est parti sur des excellentes bases. On est au taquet, hein, je vous préviens, je sais pas comment va se passer cette... historique. Oui. Faut pas taper dans les micros, je fais déjà engueuler par Gisèle. On applaudit Gisèle, qui était à la régie. Ah Gisèle, c'est formidable. On a démarré à l'heure, c'était impeccable Gisèle, merci. Les amis, je pose la question. Qu'est-ce qu'il y a Gisèle? Ça va pas le micro? Gisèle, elle me met des scuds. Je pose la question.
Qui faut-il mettre sur le banc? Est-ce que c'est Petro qui doit aller sur le banc ou Masson? Viens, Gisèle. Non. Elle est bien, mais elle, non, je sais pas si moi je suis attaché. On applaudit Gisèle. Gisèle à l'écran. Problème de micro. Thomas, pour l'instant, tu nous as Gisèle pas fait. Gisèle est avec nous. Tu nous as pas fait le capot pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Elle veut m'étrangler. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est très bon le sondage. Alors, bon. Ah bah non, le sondage ça tombe là. Les questions. Mais qu'est-ce que tu fais, Gisèle, à l'écran? Donc Thomas, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut pendant c'est un film bizarre. Pendant que Gisèle et Flavien nous font un. Pour le moment, c'est encore érotique, mais ça pourrait devenir pornographique. Monsieur Brizard arrive près du rond central. Il va donner le coup d'envoi. C'est les Verts hein, qui donnent le coup d'envoi, ça va être stressant les amis, ça va être très stressant. C'est paradis ou cauchemar, on le sait. Ça va être très stressant. Paradis ou cauchemar. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez Allez, c'est parti, top, c'est parti. Allez les Verts, allez. Projet pour Saint-Étienne. Il se presse pas, c'est bien. Oui, alors, on va pas jouer le 0-0 à la 3ème minute parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais allez, à Pierre. Oh là, mais c'est pas possible. Il prend une semelle. Il est blessé. Attends, mais carton, mais bien sûr. Mais ça vient contester. C'est quoi le projet de jeu de Metz? Mais c'est pas possible. Ça vient contester. C'est quoi le projet de jeu de Metz? Non, mais là, il lui arrache la jambe. Je me demande s'il n'y a pas. Il n'y a pas rouge. Ah ouais, franchement, avec l'assistance vidéo, s'il est vraiment blessé, avec l'assistance vidéo. Il est capable de dire. On voit. Oh là! Rouge! C'est le rouge, ça! Si c'est au-dessus du genou, ça sans déconner, c'est le rouge! Attention! Il n'y a pas l'assistance vidéo! Si, assistance vidéo! Assistance vidéo! Oh, c'était rouge! Assistance vidéo ou pas? Oui! Assistance vidéo! Oui, assistance vidéo! Mais arrête, Nico Tazé, la dégage, putain! Oh, franchement, c'est le rouge là-dessus! C'est le rouge! Carton rouge! C'est méchant, c'est dangereux! Carton rouge! Il va y revenir! Il revient! Il faut qu'il aille voir la vidéo! Mais qu'il aille voir la vidéo! Mais je comprends pas que ce soit toute la cabine qui fasse tout le temps! C'est le rouge. Il peut lui faire les coups. On est sur carton rouge TV, donc on sait qu'il va mettre carton rouge. Là, s'il n'est pas capable de mettre rouge, il protège les joueurs ou pas? T'as pu lui péter la jambe, en fait. La cuisse. Comment et même comment Appia se relève? Mais oui. Bah allez, c'est le rouge là-dessus. Regarde ça. Mais t'es obligé de mettre un carton rouge, l'arbitre. Rouge. Derrière. Rouge. Attention, avec Tardieu, il a eu peur du jaune là, encore du deuxième jaune. Attention, Petro est en retard, ça va rentrer dans la surface de réparation, le centre à terre, ça passe au deuxième poteau et ça passe. Ah, c'est encore en jeu, monsieur l'arbitre. Ah, but. Ah, putain, il y a but. Ah là là, putain, bah ouais. C'est incroyable. Aïe. À l'issue du premier quart d'heure. Aïe. C'est le premier quart d'heure, bah ouais. Ce carton rouge les a remis dans le match. Ils sont vexés. Bon, mais non, il faut se mettre à jouer. C'est Camara qui a marqué ce but. C'était clairement un temps fort pour eux. Ah oui, on le voyait. Offensivement, oui. C'était clairement un temps fort. Endoram, non, c'est. L'AMKZ. Camara, un gros volume de jeu au milieu de terrain. Ils font ce qu'ils veulent au milieu de terrain. Pour l'instant, c'est eux, vraiment, ils font tourner, ils ont la possession de balle. Il a éliminé Appia trop facilement, là, Miko Sadze. Ils ont tous les coups. Attention, pas de faute. Non, pas de faute. Penalty. Penalty. Non, c'est pas possible. Putain. Il n'y a pas penalty là-dessus. Cardona, bravo. C'est Cardona qui fait la faute et Appia qui se fait bouffer, putain. Non, on se calme, les Verts. Je suis sûr qu'il n'y a pas faute. Putain, mais il n'y a pas faute là-dessus. Ah, il y a une. Garçon, arrête là. C'est pas possible, sans déconner. C'est pas possible. Ah, l'entrée, on sombre. On avait dit là, on est en train de cauchemar au paradis. Oh, il s'est fait bouffer, Denis Appia, là-dessus. Appia et puis Cardona derrière, il n'y arrive pas, quoi. Il faut pas faire de faute là-dessus. Non, mais il n'y a rien là-dessus. Mais il n'y a rien là. Attendez, les gars, calmez-vous, il n'y a rien, quoi. L'arbitre est à côté. Non, mais l'assistance vidéo va quand même revenir. Là, il n'y a rien. Non, il ne touche pas. Il n'y a rien du tout. Non. Je ne vois strictement.
strictement à rien. Mais il n'y a rien qui récrimine. Il ne touche pas. Il y a carton jaune, il y a carton jaune. Non, regarde, c'est bon. Il n'y a pas pénalty, là, c'est pas possible. Ça va être à la barre. Ah non, il le fait tirer, hein. Non, mais il va pas faire tirer ce pénalty là. Il fait tirer ce pénalty, hein. Ah oh, putain. Oh là 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 là, putain, c'est pas possible. Il y a absolument rien. Quelle honte. Il y a jaune en simulation. Vous avez dit le carton rouge sera compensé, il l'est, je vous le confirme. Après, il faut pas se. Voilà, il y a 2-0 terminé, fiche. Putain. C'est ouf. Ah, ah putain. C'est incroyable. Putain, le poteau rentrant. Putain. Ça y est, on a les signes indiens, la malédiction qui revient, quoi. Bon, putain. Là, dis donc. Incroyable. Oh là là, putain. Les corners pour Saint-Etienne, c'est Dylan Chambaud qui va tirer ce corner. Allez, il faut être dangereux sur les corners. On n'a pas été bon au match aller sur les corners. Les grands gaillards sont montés à chaque fois. Nadé, battu, Sissoko. Corner pour Saint-Etienne, la reprise. Oui ouais. La relance, elle est rapide. Ouais, Nadé qui intervient, c'est bien, Mika. Mika, allez, les deux saillies, les verts. Allez, Masson. Les verts qui repoussent. Sissoko. Sissoko. Allez, Masson dans la surface. Masson qui rentre. Allez, Masson, le 1-2. Oui, allez, c'est pas moi, c'est Les saliers qui se battent avec les joueurs. C'est bon, Masson, t'inquiète. Allez, Masson. Ouais, mais toi, t'as rien. T'es, allez, t'es, allez, c'est allez. Bon. Yes. Tout basque, là. Non, mais il peut avoir mal, je pense. Par contre. Non, il n'y a pas mal. Par contre, il n'y a après pas mal. Après nous avoir inventé un pénalty, va nous faire assistance vidéo. Aïe. Non, mais c'est bon. Quoi, ouais, alors là, franchement, on arrête. Non, je pense que c'est pour le hors-jeu, mais là, il n'y a pas faute. Mais je oui, pense qu'il va siffler faute. Moi, je vois toute une faute sur Sissoko. C'est une honte. T'as la pression des messins derrière, mais putain, mais c'est insupportable un match de foot. Hein. Non. D'accord, il vient de dire. Mais putain. Mais il n'y a pas faute de Sissoko. Non, il n'y a pas faute. Frappe. Voilà, regarde, le gardien lui rentre dedans. Oh, merde. C'est pas possible. Sans écossais. Oh, c'est pas possible. Mais s'ils appellent la VAR, c'est-à-dire qu'ils ont un doute sérieux, contrairement à tout à l'heure. Oh là 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 là, c'est pas possible. Il joue le. Il y a il annule. Coup franc. C'est une honte. C'est une honte. Bah ouais. C'est un putain de scandale. C'est honteux. Putain, c'est honteux. On se fait voler dans ce match. Depuis le début, on se fait voler. C'est honteux. Le pénalty imaginaire. Honteux. Entre le pénalty imaginaire et ça, c'est une honte. C'est honteux. C'est vraiment une honte, sans déconner. C'est incroyable. C'est les incroyable. Qui se fait agresser par les stadiers, on est où là? Non, mais c'est incroyable. On en parle? Non, mais c'est incroyable. Regarde, regarde. Quelle honte. Regarde, c'est une honte. Voilà. Mais bien sûr, là, c'est les pas images possible. Sont accablantes. Si Metz reste en Ligue 1, on va retenir non, toutes ces images. Une honte. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Masson agressé par des stadiers, il faut le dire, parce que pour ceux qui voient pas les images, quelle honte. Pour l'instant, c'est plutôt à 6 minutes des prolongations. Attention sur le coup, là, ils sont en surnombre. Attention pour revenir, les Verts. Heureusement que c'est un centre qui est raté, Masson de la tête. Devant. Allez, devant, hein. Devant. Dans l'axe, c'est devant, quoi devant, devant. C'est allez, quoi c'est cette tête de Masson non. Ah, dommage. Voilà. Contre les allez. Allez, Mboukou. Oh, la faute sur Mboukou. C'est un attentat. Mais c'est un attentat, c'est pas possible, il est hyper en retard. Endoram. Mais c'est incroyable. Il pousse le ballon au bon moment. Allez, on revoit. C'est scandaleux. On croit qu'il a perdu le ballon. Mais regardez ça. Regardez ça. Il lui prend le pied, il le décolle. C'est bon. Objectivement. Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai pas vu supporter. Il le décolle. Mais... Il y a une petite faute. Défenseur central de Metz, je n'ai pas vu qui c'était. Ouais, c'est bien. Allez, beaucoup qui a fait des passements. Genre, ça passe. Ça passe. Allez. Ça va passer. La frappe de Masson pas possible. Oh là 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 là. Encore la frappe de Masson à c'est pas grave. 10 mètres, 10 mètres. Ouais, mais c'était bien ce qu'a fait Gradel. Gradel. Ouais. Oh là 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 là. Mais quel dos la frappe, c'est pas possible.
Oh là là. Ah bah ouais, nudité. Il fait un massage, non mais c'est quoi ce truc? On lui voit le boule, on lui voit le boule. Il a raison Thomas, on lui a vu un début de boule. Il y a eu un début de boule. Bon. Une heure de grande audience. Ouais, sans déconner. Il faut que vous quittiez reste dans les buts, ça. effectivement. Faut que ah, c'est bien joué. Ouais. Ça leur permet de souffler. Ah, bah temps. Oui. Ouais, mais après, s'ils ont des crampes, ils vont avoir du mal. C'est là qu'on voit les deux mentalités. Parce que nous, il se fait pousser, il tombe pas. Il prend les gobelets, il tombe pas. Voilà. On en veut plus. Ah, mais regarde. Là, les Messins, Jean-Baptiste, c'est l'autre côté. Il prend les gobelets, il tombe. Mais il tombe. Il tombe. Non, oui, c'est Mboukou. Petite pichette de Mboukou pour 6 secondes. Assistant ou pas pénalty, assistant vidéo. Assistant vidéo, pénalty là-dessus. Enfilade, assistant. Enfilade, oh non, enfilade, ah non. Enfilade. Oh non mais enfilade jusqu'au bout. Pénalty. Oh, c'est pas, non, il n'y a pas pénalty. Non, il n'y a pas pénalty. Non, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Objectivement, il n'y a pas pénalty. On peut nous en donner un. Oui. Non, mais on essaie d'être objectif. En fait, on essaie d'être objectif. On est objectif. Là, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Tout à l'heure, c'était l'enfilade. Tout à l'heure, c'est quoi de permettre. Là, il n'y a pas pénalty. Il y a plus faute là. Pas pénalty flagrant sur ce. Il y a rien, mais ils sont. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas moins pénalty que tout à l'heure sur Mikko. Ah non, c'est la même chose. D'accord, Flavien. C'est la même chose. À 100%. Ah ouais, non, faut arrêter au bout d'un moment. 7 minutes. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, corner. C'est maintenant. Chambaud, premier poteau. C'est bien fait. La reprise, c'est pas mal. Non. On a perdu Jean-Baptiste sur le coup. Ouais, on a perdu Jean-Baptiste. C'est bien fait. Je suis au bout là. On la mettra en replay. C'est lui qui l'a vu en plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la phrase? C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Allez. Tardieu, c'est bien. Allez. Tardieu, applique-toi. Cadre. C'est le roi. Oh là 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 là. Philippe qui prend le ballon en deux temps. Il y avait Tardieu qui a frappé. Oh non, mais non. Non, mais faut arrêter. Là, Non, mais il est insupportable. Mais c'est incroyable, il le touche et pas. Et il sera le héros. Et il sera le héros sur les tirs au but, cette espèce de. Ça me gave. Même pas, il y a de contact au visage. Il le touche pas. Mais quel état d'esprit de merde! Non, mais il le touche pas! Attends. Non, il le touche pas. Il y a aucun contact! Il nous joue le ballon! Non, mais c'est vraiment une mentalité. Il n'y a aucun contact! Et là, il est là, il se protège le visage, quoi. C'est une mentalité, mais. Attention, les Messins là qui enfin sortent de leur camp. Attention, le 27 qui va centrer. Attention, la reprise! Oh là là, l'Arsenal qui nous sauve. C'était quoi? Il a fait une quoi? Une talonnade? Une ramadière. Oh là là, l'Arsenal. Bien joué, l'Arsenal. Attention, ça peut arriver. Il nous endort, Madis. Ça peut arriver n'importe quoi. Bien. Allez, faut sortir ce ballon. Allez, Sissoko. Il est costaud, putain, c'est bon ce que fait Sissoko. Quelle régalade, Sissoko. Ouais, franchement, il est précieux. Bien sûr, toi, évidemment, il faut croire. Ah, il va, Wadjid. Et si c'était lui, vous imaginez l'histoire? Une saison. Ouais. Bien joué, Sissoko. Bravo, Sissoko. Non, mais vous imaginez l'histoire un peu. Après une saison blanche, si c'est Wadjid qui nous envoie en Ligue 1, ce serait un truc de fou quand même. Allez, Ibrahima, j'ai confiance en toi. Putain, t'es vif, toi. Moi, j'ai confiance en Ibrahima. S'il est dans le groupe, c'est qu'il est là. Hein, c'est notre Carl Lewis à nous, ne l'oubliez jamais. Sur sa première accélération. Et Cardona qui sort aussi. Non. Bentaïg qui rentre. Putain, le tir au but, ouais. Bentaïg au tir au but, je ne suis pas très, très. Wadjid au tir au but non plus, d'ailleurs. Hein. Est-ce que vraiment Odo pense au tir au but entre nous? Je sais pas. Faut pas y jouer. Il joue le tout pour le tout. On va jouer les 15 minutes les plus. Non, mais est-ce qu'on le mérite? Les plus terribles de la musique. On mérite pas ça, je veux dire. Ah bon, chez nous, les supporters. On mérite de gagner là. Nous, ça fait 40 minutes. C'est terrible. Ça fait 50-60 minutes qu'on mérite de gagner la Ligue 1. Ils nous font pas honte ce soir. Non. On mérite la Ligue 1 depuis belle lurette là. Là, ils méritent de gagner. C'est un supporter. C'est un supporter, je peux plus. Tu mérites la Ligue 1, tu l'as. Je peux plus. Et il marque pas. Moi, je peux plus là. C'est sans déconner. Et t'as toujours Bologna, t'as toujours les 10 chèvres en face là qui arrivent plus. Là. Et on a marqué le deuxième but qui nous a été refusé. C'est incroyable. Ah ouais. Le match de l'arbitre. Ouais, il aurait dû tomber sur Bologna. Oui, il aurait pu écraser la jambe de Bologna. À 71 ans, C'est là. Nadé aujourd'hui. Allez. Nadé, c'est quoi? 30 millions d'euros. Allez. 35. Battu les gars, c'est maintenant. C'est là, c'est maintenant. C'est en solidarité. Allez. J'en ai marre. Thomas m'a conduit. Mbuku. Mais pourquoi j'aime pas le basket? Mbuku. Le 1-2. Oh. Allez, on va voir que c'est mal joué. Mbuku. Ça passe. C'est maintenant. Allez. Oui. 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 All
Wadji, l'histoire de Wadji. Tiens les piles. Yes, Franck, Ibrahima Wadji, putain. Yes. Allez, putain. La pile, Ibrahima Wadji. Oh Wadji. Attention la barre, sait-on jamais. Il semble que votre ordinateur ne soit pas éteint correctement. Mais oui, c'est pas éteint correctement. J'ai plus le chat en direct, je suis désolé. Oh Wadji. Wadji, putain. Là j'arrête. Là je j'arrête la vie. Oh putain, Wadji. C'est mieux comme ça que... Je m'en fous des piles. C'est mieux comme ça que les pénaltys, les amis. Hein. Il faut tenir. Là, c'est pas possible. Il faut tenir. Prie en son, là. Là, tu mets le bus. Je suis obligé de revenir sur le chat. Je veux voir. Il reste 3 minutes. Ouais, il reste 3 minutes. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a 10 minutes d'arrêt de jeu, je vous l'annonce. Ah oui, c'est sûr. Je veux voir des joueurs qui se défoncent sur chaque balle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Tu nous fais chier avec tes piles, putain! Arrête avec tes piles! Tu nous emmerdes avec tes piles, putain! Virez-moi ce truc là! Arrête avec tes piles, putain! Oh putain, vous êtes en train de... ces piles, il nous fait chier avec ses piles à la con là! Putain! Allez! Les gars, vous poussez! Mange-le! C'est fini! On y va! C'est fini, monsieur l'arbitre! C'est fini, là! Qu'est-ce qu'il attend, là? Ça discute, là! Ouais, on est en Ligue 1, putain! Oh, putain! Oh là là, c'est super! Ça t'est gâché! On est en Ligue 1! Ouais! Oh putain, c'est magnifique! Et c'est Wadji qui marque le but! L'histoire est trop belle! L'histoire est trop belle, les amis! Oh là 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 là! Ouais, il filme! Ça craque un mess!